pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui petit déballage. Voilà, alors ce petit paquet vient de très loin, il vient du Canada, il vient de Mélanie. Elle a une chaîne YouTube, je vous mettrai le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à aller la voir, la revoir ou la découvrir si vous ne la connaissez pas. Pourquoi ce petit paquet? Parce que sur mon groupe de broderie, on fait de temps en temps, environ tous les 3 mois à peu près, on fait un échange d'ATC. Voilà, donc un ATC, c'est une petite carte que nous, on la brode. Ça peut se faire en scrapbooking également. Nous, on la brode. C'est une petite carte, voilà, que l'on s'échange. Voilà, moi, j'en fais une, elle en a fait une et on se les a échangées. Vous allez me dire, le paquet est gros. Elle m'a mis des petits cadeaux dedans et alors moi je lui ai dit, j'en avais préparé aussi moi des petits cadeaux et nous la poste en France est extrêmement chère, voilà c'est de plus en plus cher et pourtant, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Il y avait quoi de 250 grammes à peu près pour le paquet. Donc, il y avait vraiment, c'était pas lourd ce que j'avais mis dedans. Mais ça coûtait vraiment très, très, très cher. Et du coup, j'ai envoyé un message à Mélanie en disant que j'étais désolée, que je ne pouvais pas lui rajouter du coup les petits cadeaux. Mais que je le ferai une autre fois parce que en plus cette semaine on a eu la réparation de la voiture, voilà, mais bon je lui ai dit que une prochaine fois je lui enverrai des petits cadeaux en plus, mais c'est une fortune hein, pour envoyer là-bas par chez nous. Elle par contre je sais a payé combien, ah ouais elle a rien payé hein. Pour le même poids, ouais, c'est le même poids. Alors, 235 grammes. Moi, c'était à peu près pareil. C'était 230 ou 240 grammes, un truc comme ça. Elle, elle a payé 13,85 $ canadiens. Moi, en France, donc, pour le même poids, je vais parler en dollars canadiens, comme ça, ça permet de mieux se rendre compte. Donc, elle, 13 $ canadiens. Moi, pour le même poids, il y en avait pour 55 $ canadiens. Vive la poste française! Voilà, alors, du coup, j'avais un peu les boules parce que, bon... mais bon, elle m'a... Je sais qu'elle m'a dit que c'était pas grave. Allez, alors, à l'heure où vous regarderez la vidéo, vous pourrez, alors soit vous l'aurez peut-être déjà vu avant la mienne, ou si vous ne l'avez pas vu, vous pourrez aller regarder la sienne juste après. Je vous remettrai également le lien de sa vidéo où elle vous présente mon ATC. Voilà. Alors, j'ai des petites... Alors, c'est du thé. Maple érable, donc ça doit être pomme érable, je pense. Voilà, bon, dans le sachet, je vais pas sentir grand chose. Et là, c'est du thé chocolat épicé. Mmh. Merci. Alors, j'ai une petite carte. Ah bah c'est son deuxième ATC qu'elle fait. Elle en avait jamais fait d'autres avant. Alors c'est Mélanie Diam en folie. Voilà, et je vous dis, je vous remettrai, je vous dis pas le petit mot, c'est pour moi. Voilà, ça c'est à moi. Alors, ça je vous montre après, c'est la TC, qui est très jolie.
je vous montre les petits cadeaux. Hop. Ah, ça s'est resté coincé. Voilà, ça va avec ça. Oula. C'est tout parti, c'est pas grave. Alors, je vous montre un petit kit de broderie. Tout mignon, avec des petits citrons. Voilà. Alors, il y a... Alors, du coup, sachez, c'est ouvert, mais il y avait des aiguilles avec l'enfil aiguille. Et il y a le petit kit. Du coup, il y a un petit tambour. Il y a les fils. Ils sont très jolis. La couleur est très jolie. Il y a le petit tambour, comme ça, en plastique. Il y a la petite toile. Voilà, alors c'est... Elle est très très souple comme toile. Mais je sais pas, ça doit être du 11 CT, ça, je pense. Je pense. Je sais pas s'il marque dessus. Est-ce qu'il le marque quelque part? Non, il ne marque pas. Non, mais je crois que c'est du 11 CT. Et bien sûr, on a le petit patron avec des petites explications dedans. Voilà. Vous voyez, les petites explications. Merci, merci. Je vois ça un petit dimanche soir en regardant la télé. Je remballerai après. Parce que là, comme le petit sachet est craqué, je vais le mettre dans un autre. Ensuite, alors, elle m'a dit que les petits cadeaux qu'elle m'a mis... elle m'a dit le nom du magasin. Je sais plus. Je regarderai ce qu'elle m'a dit. Et c'est un peu l'équivalent de Action chez nous. Voilà. Ah, chouette. Des petits ciseaux comme ça. Voilà. Ça, c'est toujours utile hein, pour couper ces petits fils. Et normalement, des petits ciseaux comme ça, ça va bien. Ça va très bien. Ah, elle sait que j'aime bien les papillons. Et ici, une planche de stickers papillons. Voilà. Ils sont très jolis. Ils vont pouvoir décorer mon carnet de broderie. J'aime beaucoup. Voilà. Alors, pour les petits cadeaux, ça y est. Hop, j'ai remis tous dedans pour ne rien perdre. Voilà. Les petits sachets de thé, je laisse à côté parce qu'ils iront dans ma cuisine, les petits sachets de thé. Et je vous montre donc son ATC. Hop, il y avait un petit truc de colle, mais c'est pas grave. Voilà, regardez comment il est mignon. Il est trop beau. Alors, à la... Je pense pas me tromper. Ouais, non, c'est bon. Elle a brodé sur une toile plastifiée. Voilà. Ouais, c'est vraiment chouette. Très, très beau. Alors, le thème, c'était quoi le thème? Attendez, j'ai un doute. Ah, le printemps. C'est moi qui organise les trucs et j'en ai tellement dans la tête. Au bout d'un moment, je ne sais plus. Donc, c'était le printemps. Voilà. Il est très, très beau. J'aime beaucoup, Mélanie. J'aime beaucoup ce petit vélo. Il est très joli. Bah, écoute, un grand merci pour tous ces petits cadeaux. Moi, j'ai mal au cœur parce que du coup, j'ai pas pu t'en envoyer. Mais ce sera... Je ferai pour une autre fois et j'essaierai de voir pour envoyer d'une certaine façon. Enfin, on verra comment je pourrais faire. Voilà. Mais c'est vrai que bon, j'étais un peu déçue de ne pas pouvoir t'envoyer des petits cadeaux supplémentaires. Je ne vous montre pas tout de suite mon ATC, je vous laisse la surprise en regardant la vidéo de Mélanie, là, voilà, donc juste après, et je referai demain, je mettrai une petite vidéo short pour remettre mon ATC, voilà, pour vous le montrer, et je remettrai une photo également de l'ATC de Mélanie, voilà.
Donc normalement, vous aurez la vidéo short demain, si tout va bien. Voilà, je vous remontre son ATC, il est très beau, j'aime beaucoup. Voilà, ben écoutez, moi j'étais très contente de faire cet échange avec Mélanie et je crois que c'est réciproque pour elle. Au passage, Mélanie, je te fais plein de gros bisous. Et moi, je vous fais à tous aussi des gros bisous. Je vous remercie tous pour votre fidélité et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Et si vous voulez faire un échange d'ATC, ben venez sur le groupe. Voilà. Et puis il y a plein de choses sur le groupe. Le lien est en barre d'infos. Allez, à bientôt. Bisous, bisous.